Métal Extrême Français, bonsoir à tous. Mander qui est derrière la caméra, je crois que tu es aux anges ce soir. Ouais, pour le moment, ça va, c'est pas. Puisque ce soir, nous sommes à la soirée de l'extrême, la première soirée que France Black Dev Rhine met en avant, Qui a pas failli pas avoir lieu. qui a failli pas avoir lieu, mais ça c'est d'autres problèmes, Mander. Et donc au Rock in Italion, et une très très belle affiche qui représente ce soir trois groupes de France Black Dev Rhine. Son roi en tête d'affiche, Chiaroscuro, et je crois qu'on est en compagnie de Dismo aujourd'hui. Yes, c'est ça. Ouais. Alors les gars, on vous laisse vous présenter rapidement qui est qui fait quoi, Les d'où vous gars venez. et femmes. Les gars et femmes, on en parlera évidemment. On n'est pas habitué à avoir des femmes avec nous, mais justement, ça sera le but ce soir de nous parler un petit peu de toi, Gaëtan. Et Avec plaisir. justement, on va vous laisser vous présenter, les gars. Yes, ben Fabien, guitariste. Doc est guitariste. Christophe, le bassiste. Bon, bah, j'ai le micro, je le garde. On va continuer. Damien, le batteur. Damien, le batteur. Voilà. Donc, du coup, je me présente. Moi, c'est Gaëtan. Du coup, je growl depuis une quinzaine d'années. Je viens du Nord et je me suis sédentarisé dans le Sud, là, avec Dismo, depuis quelques On a années. tous On ensemble. a sorti le nouvel album Architecte du Chaos. C'est ça. Alors, juste avant de parler de cet album, on rappelle, vous venez du Sud, plus précisément. De Fréjus. Fréjus. Voilà. Justement, alors, c'est une scène un petit peu particulière dans le Sud. On en parlait un petit peu tout à l'heure, notamment les difficultés à s'exporter, parce que c'est peut-être pas totalement une terre de métal. Je sais pas si on peut le parler, on peut le dire comme ça. Disons, ouais, dans le Sud, on a une population vieillissante qui est omniprésente, donc D'accord, déjà le il y fait a très de. peu d'endroits où vraiment on a la possibilité d'écouter du métal extrême. Donc on est vraiment content d'être là ce soir avec des groupes de l'extrême aussi. Mais il y a Il n'y en a pas justement. beaucoup. Alors on dit que c'est peut-être pas une terre de métal, mais c'est un peu le vu de l'extérieur des gens du Nord, on va dire. Mais il y a quand même de très belles formations et je crois que vous en connaissez quelques-unes très sympas. Avant de parler de Dismo, je vous propose qu'on parle un petit peu, enfin qu'on cite quelques groupes avec qui vous jouez. C'est l'occasion de les mettre en avant parce que je crois que vous entendez très bien ensemble. Un des plus connus dans le sud en métal extrême, je pense, enfin surtout un des plus anciens, c'est Aggressor, avec qui on a joué, on a ouvert pour eux en mars, à Nice. Après, un peu plus récent, qui a bien fonctionné, mais qui joue plus en ce moment, mais il y avait Svartkron à un moment donné. Svartkron. Donc, ils sont, pour le coup, alors eux, en plus, ils sont vraiment très proches de chez nous parce que, enfin, il y en a une partie qui était de Fréjus, enfin de Saint-Maximin, vraiment, c'est à côté de chez nous, quoi. Après, actuellement, dans le sud-est, qui fonctionne bien en métal extrême, il y a Corpus Diabolus, D'accord, que j'ai ouais, bien vu, évidemment. qu'ils vont jouer bientôt d'ailleurs ici dans Et cette qui salle. sortent un nouvel album, hein, d'ailleurs. Voilà, quand ils ont sorti, il est sorti déjà, Ouais, il est c'est ce sorti, que je dis, oui. ouais. Pardon. Il y a Akkod de Marseille aussi, également, hein, le groupe de Marseille. Il y a Mark Hart avec qui on a joué hier à Avignon. J'ai cru que tu allais tous les citer, sauf ceux Ah avec bah qui non, tu. ben voilà, on y arrive. Mark Hart, Per Momentum, et que vous connaissez bien, hein, Qui sont sous également. France Black Dev Rhine, hein, on le Voilà, souligne. voilà. Bon, c'est à peu près les groupes, enfin moi de tête, ceux qui Principaux qui viennent te tout de suite viennent. en métal extrême en tout cas. Achiavel, oui, qu'on croise beaucoup moins maintenant. Depuis qu'ils sont signés chez RH Tour, c'est vrai ça reste qu'on les croise un plus, gros groupe. ils jouent beaucoup, ils s'exportent du coup, hein, ils Ouais. s'exportent. Mais oui, c'est vrai, oui, ils sont de la Donc, Toulonnaise, donc oui, tout à fait. comme, comme, comme on vient de le dire, on pense que c'est pas une terre de métal, mais il y a des très belles formations qui sont dans le sud. Dont Dismo, on en revient, hein, on est là pour parler de Dismo. Tout à fait. Si tu veux nous parler un peu de l'historique de Dismo très rapidement, Oui, très et rapidement. on va parler un petit peu ensuite Voilà. de ce nouvel album, quoi. En deux mots, on a formé le groupe donc avec mon frère Damien à la batterie dans les années milieu des années 90, en 1996. Alors, il faut le préciser, vous êtes des Voilà. Voilà, c'est ça, on frangins, avait deux frangins. Voilà. Donc depuis 96, nous deux, on est toujours dans le groupe depuis le départ. On a changé plusieurs fois de formation, on a sorti des albums avec des styles un petit peu différents suivant les formations pour arriver à la formation actuelle avec laquelle on a sorti cet album, donc qu'on défend ce soir, The Architect of Chaos, voilà, qui est le premier d'une trilogie
Donc on a vraiment on a vraiment défini un concept. C'est plus qu'un concept album, puisque c'est un concept album, bon, c'est une trilogie. Donc c'est vraiment une histoire qu'on va raconter sur trois albums. Chaque chanson est une histoire, chaque album est une histoire, et les trois albums seront une histoire qui sera logique. Voilà. Donc pour bien comprendre ce qui s'est passé entre le Dismo de 96 et celui d'aujourd'hui, c'est que y a l'expérience, il y a la motivation, il y a aussi la réflexion. Là, on a vraiment conceptualisé la composition. On a aussi beaucoup travaillé la technique. Notamment grâce aux apports de Doc Brutal, qui nous a un petit peu poussé dans nos retranchements au niveau de la composition, plus vite, plus technique, voilà. D'accord. Et on a resserré les arrangements sur des trucs où on cherche vraiment, pour faire simple, on cherche des riffs efficaces à la suffocation dans le death. Il faut que ça bastonne. Donc toujours accroché sur le riff. On aime vraiment le côté percutant du riff. Et on va chercher des ambiances qui vont être un petit peu black metal. On va chercher des sonorités. Bon, c'est toujours ce qu'on cherche. Hein. On les reproduit pas, mais on va peut-être aller chercher vers du Portal, vers du Altarage, des ambiances un petit peu sales, poisseux, suffocant. Blood of Snort aussi, c'est des sonorités qui nous plaisent bien. Donc on essaye. C'est un espèce de syncrétisme, mais je pense que c'est plus qu'un syncrétisme. On a notre style, je pense que c'est cohérent. On n'enchaîne pas des passages black et death. Je pense qu'il y a une homogénéité. C'est un tout, voilà. D'ailleurs, justement, au niveau, on commence à avoir quelques retours de la part des médias, des webzines, quelques chroniques qui sont apparues et beaucoup sont un petit peu surpris par ce mélange-là, mais en positif. Et tu fais bien de le souligner parce que effectivement, Dismo, si vous avez l'occasion de l'écouter, vous en écouterez un morceau tout de suite après l'interview, disponible sur les Spotify et compagnie. Sur toutes les plateformes. Je crois qu'on vous trouve partout. Oui, vous invite bien évidemment à vous rendre sur les liens de Dismo qui seront présents dans la description de la vidéo. Mais voilà, la particularité de Dismo, c'est de mélanger du death, du black, et d'ailleurs vous appelez ça du brutal dark metal, je crois. Oui. Oui, oui. Avec quelques growls d'ailleurs, je crois. Hein, tiens à préciser, à l'origine, on s'était défini comme du brutal dark death. D'accord. Et le terme death a complètement sauté. Mais c'est pas de notre ressort en fait. On nous a désigné comme ça. Ok, bon, c'est quelque chose qui va plutôt bien. Et encore une fois, n'hésitez pas à écouter l'album ou au moins quelques titres pour vous rendre compte. C'est parce qu'on a vraiment une recherche musicale là-bas, c'est du death metal en fait. C'est pas du black. Sale. D'accord. Donc, ok. On l'a fait sauter, mais. Alors justement, ce premier album, il est sorti en avril, Mander, si je dis pas de bêtises. Premier album. Le cinquième, Mander. C'est le cinquième, voilà. Ouais. Beaucoup le disent d'ailleurs que c'est le premier album. C'est ça qui est paradoxal. Mais oui, voilà, c'est pour ça un petit peu le quiproquo. Mais alors justement, cet album est sorti en avril, donc si je dis pas de bêtises. En février. Février même, mais c'est pas grave. Hein. 23 février exactement. Ah non, oui, il devait sortir initialement, on l'avait sorti plus tôt en fait. Ouais, on l'avait sorti. Ah réussi à... d'accord, tu vois, je suis déjà perdu, Mander. Putain, déjà février. Mais ça va, okay. On t'en veut pas. Si... premier album, enfin pas premier album, mais album qui est donc sorti en 2024 en février et avec Gaëtan, la fameuse Gaëtan. Je te laisse le micro. Merci. Gaëtan, justement, c'est sur le premier album qu'elle chante. Elle a intégré le groupe en 2021. Écoute, on va parler un petit peu comment tu es arrivé chez Dismo et qu'est-ce que tu as apporté au groupe. Est-ce que pour vous, les gars, Gaëtan a apporté un plus au niveau du chant? On vous laisse parler un petit peu de tout ça. Bah, en gros, moi, je connais... Lolo, Doc Brutal, depuis 14 ans, parce qu'on est amis, nos enfants se connaissent. Et du coup, on joue dans la Batcave depuis longtemps. On a des projets black enregistrés sur des pistes. On a des albums quasiment, mais voilà, on les a jamais sortis. Ça n'a pas abouti. On l'a gardé dans la boîte. Et là, j'ai su qu'il y avait que le groupe recherchait un nouveau chanteur.
voilà, pour X raisons, ils ont voulu, plus voulu de l'autre. Du coup, on a fait quelques feats avec l'ancien chanteur et la séparation s'est pas très bien passée. Il a pas avalé la pilule, mais c'est pas très grave. Et du coup, là, bah, maintenant, je suis avec eux et je les connais tous depuis des années. Et le projet, ben là, moi je suis plus une chanteuse de black au départ. Et du coup, c'est Doc et John avec qui je répète de temps en temps les vendredis qui m'ont aidé dans le death pour être vachement plus percutante, quoi. À préciser que John, plus dans les John temps, c'est notre tech qui est derrière la caméra. Voilà, voilà. Viens montrer ta tronche. Morbid Angel, bien énervé, on se perd pas, ça reste soutenu. Dis bonjour à la caméra. Et voilà, j'avais des lacunes à ce niveau-là. Le tech. Du coup, au niveau du black, ben voilà, je pense que justement, comme on met une atmosphère avec des sonorités et avec des riffs de guitare distordieux, la voix black, elle fait rêver, quoi. Elle ouvre un univers, elle donne des images. Hier, les gens sont venus me trouver en fin de live. Ils m'ont dit, ça m'a terrorisé. Je voyais des images devant moi. Après, sur un point de vue musical par rapport à l'apport que tu as posé comme question et tout ça, quand on a fait le remplacement, on va dire, quand notre ancien chanteur a décidé de... On s'est séparé de lui pour des divergences et on n'allait plus du tout sur le même chemin. Donc il avait d'autres ambitions et nous aussi. Quand ça s'est produit, en fait, du coup, ce changement, nous avons essayé des musiciens. Personnellement, j'ai proposé Gaëtan, comme elle a dit, que je connais depuis 14 ans. On a déjà collaboré ensemble en 2010 dans un projet death metal. Par la suite, entre 2010 et 2020, on a projet black metal. Moi, j'étais conscient de ce qu'elle était capable de faire et de son professionnalisme. Du coup, quand on s'est retrouvé sans chanteur, c'est là qu'on a décidé de voir si ça collait et... son degré d'implication et tout ça a fait que son timbre de voix, l'énergie qu'elle dégage et tout ça, qui a fait que du coup elle a intégré le groupe en tant que permanent. Très bien. Et c'est ce qui a aussi orienté Bismo vers ce style-là aussi. Pas du tout. Non, non, pas du tout. Non. Je suis fautif. C'était essayé, mon père. Je tiens à préciser, ça aide. Ça aide. Ça aide énormément. Il y a une émission, mais... quand même, c'est ça a permis. On avait déjà pris le virage, mais le fait d'avoir elle qui vient et qui nous ouvre des possibilités au niveau du chant, bah, du coup, ça, nous, on a pu encore le virage, si tu veux, on a pu le prendre encore plus serré. Quoi. On peut aller encore plus loin, du coup. Donc, on se pousse, si tu veux, Manu, mutuellement, quoi. Ça nous permet chacun de monter des niveaux. Alors, Gaëtan l'a un petit peu évoqué. Il y a d'autres façons. C'est ce qui a permis de le faire. Oui. Gaëtan l'a un petit peu évoqué. Dismo, ce n'est pas que un album, ce n'est pas que du studio. Tu l'as aussi évoqué, donc. C'est de la scène, c'est du live. Et c'est aussi une théâtralisation de votre album. Et ça, c'est pas partout qu'on le voit, parce que quand tu vas voir on le dit, hein, pour ceux qui nous suivent, quand tu vas voir un concert de Dismo, ce n'est pas que de la musique, il y a aussi le visuel, et je pense que vous apportez une image importante là-dessus. On vous laisse un petit peu en parler également, quoi. Justement, c'est ce qui a engendré aussi le changement de line-up qu'on a récupéré Gaëtan, c'est que justement avec elle, par rapport à tout ce qu'elle a pu apporter, elle nous a permis d'aller plus loin dans notre concept, dans l'idée. Et on a eu une réflexion sur donc la musique qui est très importante dans ce qu'on a à faire. Mais à un moment, on est arrivé à un point où il faut qu'on apporte plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste sur un principe lambda, vulgairement jean basket, ou est-ce qu'on essaie de le mettre en image et que scéniquement parlant, il y a en plus un visuel qui happe? Et quand on est arrivé à cette réflexion-là, justement par le biais de Gaëtan qui était ouverte justement à ces propositions-là qu'on a apportées et ce qu'on propose maintenant, c'est parce qu'elle a quand même validé, parce qu'elle est quand même assez mise en avant, parce qu'elle joue justement l'architecte du chaos. C'est elle, elle a le charisme, elle dégage exactement le personnage qu'elle doit incarner, c'est parfait, et du coup ça nous a permis d'aller plus loin. Donc on est encore dans des phases de réflexion parce qu'on aimerait le faire évoluer, mais pour l'instant c'est plutôt pas mal. En tout cas, c'est vrai que scéniquement parlant, on essaie vraiment de proposer un show, pas forcément un live, c'est un show ou un théâtre, c'est ça. Un théâtre horrifique, c'est un show fantastique. C'est vraiment les prémices, quoi. Enfin, je pense que... Oui, on est encore en phase de test, oui, encore des phases de test. On a beaucoup travaillé ensemble justement sur le personnage que Gaëtan incarne, et là on est sur la réflexion sur nous,
qu'est-ce qu'on doit représenter sur scène aussi, pour appuyer le concept. Alors ça, ça donne envie hein, pour ce soir. Hein, ça nous, il nous tarde ce soir pour voir ça, parce que déjà, il faut le dire, hein, Mander, depuis qu'on les connaît, il nous tardait de vous voir sur scène. Ce soir, c'est l'occasion. Vous jouez, trop de pression, hein. Trop de pression. Ah, c'est pas sympa. La pression, elle se vide. Finalement. Mais en tout cas, vous ouvrez ce soir, hein, alors que c'est pas leur place. Hein, normalement, Dismo, je les vois un peu mieux placés que ça, mais vous avez la sympathie. C'est de, non, c'est très bien, c'est très bien. Ouais, 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 ça chauffera le public, je crois. Ouais, et ce sera une bonne surprise. Des hommes groupes, tranquillement, sans pression. ou celle-là. Ouais, ouais. on parle de live, les gars. Vous avez fait pas mal de dates hein, ces temps-ci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui se profilent? Je crois qu'il y en a encore à programmer. Alors, ben, là, depuis la sortie de l'album, enfin, même depuis le début de l'année, on arrive à avoir entre une ou deux dates par mois. Ah ouais. Ce qui fait que, bon, il faut bien savoir que nous, on est bénévoles comme vous, hein, donc la musique, c'est sur notre temps libre. Déjà deux dates par mois, c'est déjà pas mal, parce que ça nous prend un ou deux week-ends par mois. Mmh. Ce qui fait que, bon, quand on a une famille et quand on travaille, c'est déjà pas mal. C'est hein. Clair. Donc ce soir c'est la dernière de la saison. Quand j'entends saison, c'est-à-dire avant les grandes vacances. Ouais, bien sûr. Après on passe sur le juin, juillet, août, c'est les festoches. Pour l'instant nous on n'a rien et on va commencer à chercher pour la fin de l'année. Et on aimerait bien rester sur cette dynamique de deux dates par mois, ça serait cool. Au moins jusqu'à la fin de l'année. Donc on commence à chercher. Je pense qu'on va essayer de monter des plateaux avec Mark Hart. Ouais. On s'entend très bien avec eux musicalement, ça colle. Ils sont pas loin de chez nous, humainement ça colle. À écouter également. Hein, oui, faut pas hésiter. Leur album, c'est une bombe. Hein. Ah, franchement, ouais. c'est vraiment de la tuerie. Et donc là, on va essayer de bosser avec eux. Enfin, bosser dans le sens, on va essayer de s'organiser des choses avec eux. Pourquoi pas perdre Momentum, hein, comme on a fait hier. Hein, finalement, c'était le plateau qu'on avait hier. Ah, ouais. On va voir. On pense aussi à un groupe qu'on n'a pas cité tout à l'heure, à ADC Athès, un groupe de métal extrême du Sud, eux qui sont plutôt de Monaco. Mais c'est avec eux qu'on avait joué avec Aggressor, qui sont très bons, avec une femme au chant aussi. Stéphanie. Qui sont vraiment à surveiller aussi, je pense. Très bon groupe aussi. Ils vont sortir leur album normalement en septembre. Ils sortent leur album normalement en septembre, ils sont en mix. Ouais. Et donc du coup, oui, on aimerait bien garder cette dynamique-là. Donc, on va s'organiser des concerts pour la rentrée. On va chercher. Voilà. À suivre alors. Oui, à suivre. Oui. Pourquoi pas sur le Lautèque ? Oui. Il faut. Ça serait bien. Oui. Franche-Comté, Alsace. Oui, on va tout faire pour leur trouver quelque chose. Ça c'est clair. On vous laisse nous programmer. On n'est pas bookers. On essaye de faire au mieux en tout cas. Je reviens un petit peu sur la discographie de Dismo pour un petit peu conclure tout ça. L'album vient de sortir, vous t'as parlé d'une trilogie. Qui compose, combien de temps va falloir-t-il attendre pour le deuxième album de cette trilogie? Allez, quelques petits indices, si c'est possible. Et qui compose les chants, ça m'intéresse, les paroles et compagnie, quoi. Hein. Alors, pour la suite des événements, concrètement, on va se remettre à la composition, je pense, 2025. D'accord. Début 2025, ce serait pas mal. On va essayer de voir un petit peu avant si on arrive à se détacher du temps, mais on voilà. On va voir. Au niveau de la composition, c'est un projet commun. On y met tous du nôtre sur les compositions. Au niveau des textes, je travaille majoritairement donc avec Gaëtan. John aussi, oui. On élabore beaucoup les textes ensemble, les histoires, les arrangements et tout ça. Mais on espère arriver à faire quelque chose rapidement. On a eu un petit peu de difficulté à faire celui-là. On a pris notre temps parce qu'on a eu beaucoup de réflexions. Mais après, et voilà quoi. Donc, je t'en prie, explique. Oui, après, au niveau de la composition, je dois avouer qu'on s'y est pas bien pris du tout, en fait. Sérieux ? Ouais. Donc, du coup, moi, je suis une personne, voilà, j'aime écrire. Je suis une personne très impulsive. Et quand j'écris, j'écris. Ça vient d'un coup, quoi. Il y a des idées. Ensuite, moi, j'arrive avec mon package, je l'amène à mon guitariste, et lui, il amène la touche fantastique que moi, je n'ai malheureusement pas. Donc, du coup, voilà, ça s'envoie très, très bien. Du coup, on en parle à la répète, on développe l'histoire, et là, on prend le texte, et après, on peaufine. On voit, hein, on le voit dans les paroles. On a perdu du temps parce que j'ai voulu absolument
contrôler tout de A à Z et j'aurais dû, voilà, dès le départ, avoir la touche fantastique que Laurent m'avait proposée, quoi. C'est, mais après, finalement, on a réussi à mettre tout en place. Et... Mais vous avez déjà une base sur le travail, là. Oui, c'était énormément. Chapter 1 is done. Hell yes. Mais on va pas en parler, là, maintenant. Non, pour une prochaine fois, j'espère. Parce que... Mais en tout cas, voilà, ouais, ce que vous avez un peu décrit, c'est le côté perfectionniste et qu'on ressent dans cet album et qui a été ressenti par la plupart des médias qui ont chroniqué l'album. Donc voilà, Dismo, c'est vraiment un groupe qui aime la perfection, qui prend son temps pour faire bien les choses. C'est vrai qu'on est assez fiers des retours, ouais, quand même. Franchement, oui, il y a de quoi. Et puis, on va en juger encore ce soir. Là, il nous tarde encore une fois de voir tout ça. Ouais. On vous invite à suivre Dismo, Bandcamp, Facebook, Spotify, YouTube, ils sont partout. Ils sont sur France Black des Vannes également. On aura plaisir de reparler éventuellement. Merci à vous, à bientôt. Merci, bon concert. Et tout de suite, plaçant au live, Mander, si tu veux bien. Allez, un petit morceau pour finir. Allez, à bientôt, merci à tous. Merci. Yeah.